Ça se peut pas, ça fait 6 heures qu'on est parti de Pierrefonds, on n'a même pas 10 kilomètres de fait. Je te dis que j'ai assez hâte au printemps. Ça se peut pas, ça fait 6 jours qu'il mouille. Comment ça être tanné de me promener en chaloupe? Je te dis que j'ai assez hâte d'être en Floride. Oh, ça se peut pas! Je te dis que j'ai assez hâte! Ah oui, ta gueule! Miette Flix présente sa nouvelle série exclusive. Sophie, c'est la catastrophe. Nous venons de permettre à Miette Flix de ne pas percevoir les taxes, alors que c'est la loi pour toutes les autres entreprises. Quand les journalistes apprendront cette injustice, les Canadiens et Canadiennes vont faire la révolution dans les rues. Mais voyons, chérie, on peut pas leur faire croire que c'est une bonne entente et qu'aucun autre pays au monde n'a pu faire mieux. Ils ne sont pas stupides. Ils vont poser des questions. C'est la fin. C'est la fin de notre gouvernement. Et si les journalistes n'obtenaient jamais de réponse? Tu veux parler de... Mélanie Joly est la spécialiste. Laissez-moi parler, ministre Joly. Vous êtes confus, monsieur Carcan. Nous, on dit qu'au niveau des plateformes numériques, la synergie est bénéfique dans un écosystème pour protéger la culture, produisant 500 millions de nouvelles compagnies canadiennes en production par année sur 50 trimestriellement. Et ça, on est les premiers à le faire. Oh boy! La spécialiste! Les négociations pour le libre-échange sont dans un cul-de-sac. Les Américains sont absolument impitoyables. L'heure est grave. Si on échoue, on va encore rester pris avec notre maudit bois d'œuvre. Nous n'avons plus le choix. Il faut envoyer. Le brin de scie favorise une synergie dans un écosystème produisant des compagnies trimestrielles qui sont la flore et la faune du bois d'œuvre bimensuel dans un environnement de production locale. Cet hiver, sur Netflix, découvrez les pouvoirs de la ministre Joly. Pouvoirs qui remontent à sa plus tendre enfance. Vendredi, c'est un pédago. Cet enfant possède des dons extraordinaires. Ses paroles n'ont aucun sens et s'attaquent directement au système nerveux central. Elle est extrêmement dangereuse. Ah oui? Donne-moi le cash! Pour ça, il faudrait créer des synergies structurantes en appréhendant les solutions. Putain, toi, tu veux mourir? Dans le but de pallier au contexte mondialisé de dématérialisation. La première série Netflix tournée entièrement au Canada. Vos acteurs, vos décors, vos crédits d'impôt et leurs profits. Minou, c'est ça, Minou! Les chats sont nos ambassadeurs au niveau mondial. Ce système de Minou Convergence favorisant tout le monde. Ah! Et voilà. Veuillez noter que le prix de Netflix peut augmenter à tout moment sans aucun préavis, sans aucune raison, sans aucun respect. Puis si vous n'êtes pas content, mangez de la marde. Les assurances nous ont couvert la perte de notre maison mobile à Fort Lauderdale. C'est une bonne idée que tu as eue de prendre l'argent pour faire le tour des vignobles en Californie. Depuis le temps qu'on en rêvait. Mm. Et donc, trouves-tu que ça sent brûler tout à coup? Mouche! This is a state of emergency due to major fires in the area. Evacuate now. Coudon! Bonsoir, ici j'ai du temps. Vous êtes toujours à Occupation Dune. Il s'est passé beaucoup de choses à Rudy cette semaine. Alors, regarde ça. On a fait du yoga aujourd'hui, puis j'ai vraiment eu une connexion avec Sandik. Yoga. 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 Je suis mal à l'aise. Je pensais pas que relaxer, ça pouvait maganer de main. Oh!
OK, gang, j'ai une super nouvelle. La prochaine activité, ça va être un voyage au pays préféré de Carrie Price, la Carrie du Nord. OK, je fais des farces pour rappeler aux gens que je suis surtout une humoriste. Alors, Carrie, tu vas y aller avec Neuron. J'étais contente d'aller en Corée avec Neuron à cause que je t'attirais envers lui. J'étais contente d'aller en Corée avec Karine parce que je suis attirée envers les Machinois. Coudon, on travaille comme des n****cites. Bon, je me suis fait dire par la production qu'il fallait pas dire le mot n****. Pourquoi il faut pas dire ça, tu penses? Ben, parce que ça fait de la peine aux n****. Coupez! Est-ce que Karine a vraiment trouvé l'amour? Moi, depuis le tout début, mon coup de cœur, c'est Caro. On est vraiment, vraiment, vraiment en amour. C'est laquelle, celle-là? C'est-tu la bikini rose avec des tatous ou bien la bikini blanc avec des tatous? Aujourd'hui, genre, j'ai eu une fucking chicane avec une des filles juste parce que je voulais y rendre service. Je t'ai coupé les cheveux pendant que tu dormais. Yo, mais je t'aime, là. Mais je t'aime pas. I love you. I hate you. I love you. I hate you. I love you. I hate you. I love you. À un moment donné, mon tanné. Piano, 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 piano. Personne me comprend ici, tu tanné. Mais non, it's perfect. Il faut divider pour mieux winner. Tu penses qu'on va gagner? Why not? À nous deux, on est capable de tout. Tout. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle pour vous. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il y a un des garçons qui va quitter l'aventure de ce soir. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est moi! Hey, viens ici, toi! Pogna! Pogna! Hey, bonjour. Voulez-vous essayer notre produit vedette? OK. C'est, En 2018, il sera désormais légal d'acheter du cannabis au Québec. C'est un petit produit, c'est un cannabis de la région de Bromont. C'est un petit produit entrepris par une famille de maraîchers qui cultive illégalement depuis une vingtaine d'années et qui, là maintenant, depuis 5 ans, ont commencé à produire de façon plus régulière et illégale, évidemment. Illégale, évidemment, depuis un an. Ah, c'est qui le dernier qui a ouvert l'espace à chiche? C'est moi. Où c'est que t'as mis les clés? Je m'en souviens plus. Ça doit être là-bas quelque part. Les clés! Les clés! Les clés! Viens voir les clés! Viens voir, papa! Mais voyons! C'est une petite... J'aimerais essayer songer et philosopher. Ça, c'est parfait pour une soirée entre amis là, autour d'un feu de camp à déblatérer sur des grandes questions existentielles comme où va l'humain, à quoi sert le bonheur et pourquoi mes sandales sont en feu. Moi, je pense que j'ai oublié mon mari dans le soir. Bonjour, voulez-vous essayer notre produit vedette? C'est un IPECA qui vient du sud du Mexique. Il faut pas le manger, par exemple. Il faut pas le manger. Il faudrait leur donner... Êtes-vous allé voir Jules juste avant? C'est ça, hein? Salut! Pourquoi comme ça? Le Parti libéral ne sait se passer, faut pas. Je vais faire une crise, oulala. OK, coupez. Coupez, on arrête ça. Qu'est-ce qui se passe? On peut-tu arrêter le vent? Ben, je pense qu'on fera pas d'espacito. Mais voyons, c'est passé la toune de 2017. Ben oui. On dirait que ça fait trop bye-bye. T'sais, le monde s'en attend, comme Philippe Couillard qui chante « Je suis un zéro comme d'espacito ». On le voit venir. Je l'aimais beaucoup, ce jeu de mots-là, moi. C'est parce qu'il est pareil comme le chanteur. On rappe tout. On ramasse tout, tout le monde. Simon! Come on! Simon, c'est quoi la vraie raison? Elle a trop joué. Cette toune-là a trop joué. Fait que, écoutez-moi comme il faut, là. D'Espesto ne jouera pas dans le bye-bye cette année. Elle jouera jamais dans le bye-bye. Parce que... Si cette chanson joue une fois de plus dans mes oreilles, je vais rentrer un tournevis dedans. Ouya! Quand
les DJs se la font demander une millième fois. Ils préfèrent s'immoler sur le champ. Non, une toune qui joue 100 fois par jour, c'est pas normal. Ça me fait l'effet d'une crampe intestinale. Quand je l'entends, ça me donne la gastro. Toune de Mardo, qui a joué beaucoup trop à la radio, qui a joué au point de nous rendre tous débilos. Quand on l'entend, on a le goût de se suicider. Toune de Mardo, 4 milliards de views sur YouTube. Tous les douches de la vallon des orgasmos, quand ils l'écoutent dans leur âme. C'est Vico. Je peux pas comprendre pourquoi tout le monde écoute ça. Oh. En vélo dans le métro, elle nous prend toujours d'assaut. S'il entend une autre fois, il va perdre les pédalos. Il va avaler plein de pilules ou s'électrocuter les testiculos. Il veut pas chanter Despacito, de quoi y a l'air le vidéo. Brassara au quel tempo, la brèche va se faire un lambago. Qui chante la toune de l'année, ça fait trop bye bye. Essaye pas Andor Valsimon, dit que ça fait trop bye bye. Patricio, Patricio, dans ce mena brutito. Pipiero brassado, à l'air un peu constipo. Joe Scarpellino, au moins y'a des abdos. Pas comme mon ami Fecto qui fait de la rétention d'eau. Hey, merci, man. Merci à toi. C'était le fun. Ouais, je suis dans le bye bye. Non, non, je suis dans le bye bye. Pas vraiment. Hey, on fait pas un autre sketch avec Philippe Couillard? J'ai passé 3 heures sans chaise de maquillage. Je me suis levé à 4 heures du matin. Quelqu'un? Salut, je m'appelle Jonathan et je travaille pour Éric Salvaille depuis 5 ans. Moi, c'est Gabriel. Ça fait 6 mois que je travaille pour M. Salvaille. Travailler pour Éric, c'est vraiment stimulant. Il nous transmet plein de belles valeurs d'entreprise, comme le partage. Es-tu quelqu'un qui veut partager mon lunch à midi? La communication, c'est très important pour lui. Chez Salvaille et Couille. Ce qui est super important, c'est d'avoir une bonne communication. C'est pour ça que j'ai appris le morse! Éric, c'est un gars qui a beaucoup d'énergie. Ça, c'est parce qu'il va au gym à tous les jours. Whips! Whips! Hey, qu'est-ce que tu fais là? Bon, on va aller faire du sport! Je veux pas voir ça! Bon, c'est sûr que des fois, il fait des jokes plates. Éric, est-ce que je peux entrer ou t'es tout nu? Non, non, c'est correct, tu peux entrer. Je suis tout nu! Hey, on a du fun! Hey, du fun! Par contre, un des avantages de travailler pour Éric, c'est que ça te permet de savoir si t'as ce qu'il faut pour réussir dans le milieu. Tu vas aller loin, toi? C'est un gars super créatif. Il y a toujours des nouveaux concepts d'émission. Hey, checkez mon nouveau concept! Ça vous tente-tu de vous confier à la caméra? Ah! Puis aussi, en étant chez Salvaille et Couille, on est assuré d'avoir une job pour super longtemps. Puis d'être payé chaque semaine, parce que c'est une compagnie super stable qui arrête pas de grossir. Hey, avez-vous vu la grosse nouvelle dans le journal de ce matin? Aussi grosse que mon pénis? Pas mal plus grosse. OK, madame, ça roule, donne le cash! Donne le cash! Oh, ben non! Comment ça, non? Mais je peux pas vous donner l'argent. Comment ça? Vous avez le visage couvert. Je peux pas vous servir, malheureusement. Hein? Ah, chut, j'avais oublié. C'est parce qu'avec la nouvelle loi, si on veut être servi, il faut être à visage découvert. Oh, OK, d'abord. Non, fais pas ça, ils vont le reconnaître, voyons. On fait quoi, d'abord? Bon, on fait rien. On s'en va. Bougez pas, vous êtes servi! Excusez-lui, non. On peut pas vraiment les arrêter. Ils ont pas le visage découvert. Oh, maudite merde! C'est bon! Je peux y aller! Maintenant, au Québec, ça se passe à visage découvert. C'est la loi. Un message du gouvernement du Québec. Je sais pas si vous surveillez ce qui se passe dans l'actualité, mais d'après un sondage qui était fait après l'affaire de Ouellette puis de Lupac, le seul corps policier en lequel les gens ont confiance, c'est nous autres. C'est peut-être parce qu'on n'existe pas pour vrai. C'est sûr que ça aide.
Fait qu'on a hâte de surveiller tout ça. Bruno, tu vas surveiller l'UPAC. C'est beau. C'est qui s'occupe de surveiller Guy Ouellet? Je peux m'en occuper. Il faut que vous fassiez votre rapport à la Sûreté du Québec. Qu'est-ce qui va surveiller la Sûreté du Québec? Toi. Ben, fais attention. Les journalistes nous surveillent. C'est beau. Je m'occupe de surveiller les journalistes. Puis il faut aussi que tu surveilles Patrick puis Bruno qui vont surveiller l'UPAC puis Ouellet. Geoffroy, tu vas surveiller Isabelle qui surveille la Sûreté du Québec pendant que Bruno va te surveiller en train de surveiller les journalistes qui nous surveillent. OK. OK. Tout le monde a compris? Pas en tout. Fait que surveillez-vous d'abord. Je vais aller faire de la moto, moi. En passant, je suis enceinte. Elle est morte. Elle est partie comme un petit poulet. J'avais oublié de vous dire de surveiller les camions avant de traverser la rue. Ben, on s'en va-tu boire un café quelque part? Pas l'idée, j'ai soif. Monsieur Beaulieu est dans sa chambre. Il est réveillé, vous attend. J'espère que son opération a été réussie. Ses blessures étaient très graves. Bon matin, Monsieur Beaulieu. Mais je ne peux rien faire. Mais pourquoi? Il n'a pas le visage découvert. Justement, il faut lui enlever ses bandelettes. Mais je ne peux pas. Il n'a pas le visage découvert. Mais c'est vous qui lui avez mis ses bandelettes. Oui, mais à ce moment-là, il avait le visage découvert. Désolé, Monsieur Beaulieu, je ne peux rien pour vous. C'est la loi. Mmh. C'est la loi. Maintenant, au Québec, ça se passe à visage découvert. C'est la loi, M. Beaulieu. Un message du gouvernement du Québec. Le système de santé se porte très bien et il est très bien administré. Je prends d'excellentes décisions qui sont bénéfiques pour l'attente et l'accès aux soins. Maintenant, le taux d'occupation des urgences a grandement diminué. Mes réformes, hautement efficaces, sont accueillies à bras ouverts. La schizophrénie se traduit par une perte de contact partiel ou total avec la réalité. Belle cause pour la cause. Le système de santé québécois, c'est le meilleur au monde. Et que c'est triste. Ça n'a pas de bon sens. Lequel? Celui avec les fleurs. T'as rien vu encore. T'as rien vu encore. T'as rien vu encore de ce que je suis. T'as rien vu encore. Je pense qu'il va mouiller. Il mouillera plus, pantoute, pantoute. Il mouillera plus, pantoute. Maman avait un casse de main comme ça quand t'étais petite. Possible. Barbatruc. Dion. Céline Dion. Oh, c'est beau. Mais ça serait encore plus beau avec une demi-ville sécoche. C'est mes sécoches. Couture. Jean Couture. Lui, il fait des bonnes pilules. She's crazy like a fool. She's fool like crazy. C'est comme un film de Xavier Dolan. J'aime ça des petites. Ils sont meilleurs quand je les mange avec la main de Renier. Gaston, il y a le téléphone qui sonne. Mange des petites. Oui, mange des petites, c'est bon les petites. Mange ta main, garde l'autre pour demain. Mais c'est plus de petites. I'm the queen of the world! Bon, on va-tu faire du bateau? Ça me tente de faire du bateau, c'est moi le boss. C'est moi le boss. Ah, chérie, c'est mon amour. Accroche ta petite main à bouer, mon amour. C'est juste un ami. J'aime mieux les petites.
l'ex-président aime les gros nichons, les controverses et les tweets morons. Mais la mine a juré par ses hauts talons. Mais où est Kim Jong-un? Le nez dedans, ses gros canons, ses gros canons. Deux cheeseburgers puis un gros frite. Passe président, la Corée du Nord menace de guerre nucléaire l'Amérique. Je propose la diplomatie et la négociation d'accords de paix. Moi, je propose une attaque militaire afin d'anéantir la Corée du Nord en entier. Grande bombe, petite bombe, bombe pointue, bombe barbouillée, bombe faite pour. Sauter, bombe faite pour. Exploser. Parfait, on attaque. La Chine dit qu'elle va défendre la Corée du Nord si on attaque en premier. Attendez, trouvera, trouvera pas ceux qui sautent pas. Vous voyez? Parfait, on négocie. La Corée le dit, la Corée le crie, anéantit ce pays. Parfait, on attaque. Grand bombe, 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 bombe. Non, s'il vous plaît, Kim Jong-un, je ne vais pas mourir, non! Vous avez dormi pendant un de mes discours! Je suis ministre de la Défense et j'ai été fidèle à votre père toute ma vie! Vous savez ce qui allait, vos ministres qui dérangent ma dictature? Non, s'il vous plaît, non! Mes ministres gigotent, mes ministres barbotent, mes ministres vivent pas longtemps. Au fond de la mer, font des flics et flaques, mes ministres dans l'océan. Bonsoir, ici Alakazu pour le journal de 18h. Zor, zor, zor. La tension règne entre la Corée du Nord et pas ce président. Zan, zan, zan. Voici un résumé des derniers événements. Nous sommes quatre qui voulons nous battre contre trois qui le veulent aussi. Alakazu est moins drôle qu'avant. Qu'est-ce qu'on fait, Bruno? Pensais jamais qu'un enfant d'aujourd'hui dirait ça, mais on va-tu jouer dehors? Mais non! Mais je suis habillée pour aller visiter les sinistrés de l'ouragan. T'aimerais pas ça que je te l'enlève un petit peu, mon petit poussi des pays de l'Est? Non, tu touches pas, Mélamina. Bonjour, belle Mélamine, comment vous portez-vous? Vous me faites la mine, dites-moi qu'avez-vous? Ce que j'ai mal à la tête ce matin, ce qui me cause, ce qui me cause, ce que j'ai mal à la tête ce matin, ce qui m'éloigne de ton gros machin. Bye bye, Minou. Dis qu'il paraît que Doualé va émigrer. Elle retourne dans son pays? Je sais pas. Doualé, c'est vrai que tu vas partir dans un autre pays? Ben oui. Mes parents sont entrés illégalement au pays. Fait que c'est... Doualé, si t'as pas de papier, tu peux pas étudier. Et puis ton grand frère risque de se faire tirer. Hey, j'ai une idée! Grand-papa Bi peut nous aider! Grand-papa Bi! Grand-papa Bi! Non, les enfants, grand-papa n'est plus bi, il est maintenant transgenre. Hein? Appelez-moi grand-maman Barbara. OK. On veut aider Doualé à entrer au Canada, grand-maman Barbara. Ah, ben, je vous embarque toutes dans ma décapotable rose. Road trip honeys. Je te dis que je suis vraiment pas de bonne humeur. Tout à l'heure, pendant un match de football, il y a des joueurs qui ont mis un genou à terre pendant l'hymne national. Celui-là, ça m'a tellement fâché que j'ai envoyé un tweet. Puis un autre tweet. Puis encore un autre tweet. Puis encore un autre. J'ai envoyé plein de tweets avec des grosses lettres puis des points d'exclamation. Mais là, il faut faire attention. Parce que si je continue d'être choqué, je vais partir une guerre nucléaire avec la Corée du Nord. Je fais peur un peu des fois. Je fais peur beaucoup des fois. Je fais peur un peu. Mais moi, je fais peur et tout. Ah! Salut, c'est Giovanni Apollo. Aujourd'hui, je suis avec Nicole et on est où déjà, Nicole? Ville-la-Moine. Et on est à Kamouraska. Alors, ma mission aujourd'hui, c'est de préparer un festin pour le réveillon du jour de l'an pour toute la famille Champagne. Garipi. Bienvenue à Apollo dans le sirop, spécial jour de l'an. Voyons voir ce que t'as dans ton frigo. J'ai du ballonné, des patates, de la sauce au chicken, une grosse canne de mange à chat déjà ouverte, des jujubes, puis de la petite vache. Je résume, on a...
des truffes blanches, un fond de volaille, du veau de grinché, des canneberges fraîches et de la farine bio. Alors, Nicole, voici le plan de match. J'ai une question. Ne m'interromps pas! OK, mais est-ce que je range le ballonnet? Bah non, Nicole, parce que couper en tranches ça d'épaisse, ça va nous faire des beaux steaks d'autruche. Champagne! Et voilà, il n'y a plus qu'à goûter. Nicole, à toi l'honneur. Et si c'est pas le meilleur repas du jour de l'an que t'as jamais mangé, ben moi je m'appelle pas Giovanni Apollo. Capiche? Allez, santé Nicole. As-tu des clés? Qu'est-ce que tu fais dans le caniveau? Non, ça, c'est mes nouveaux bureaux. T'attends-tu de visiter mes nouveaux bureaux? Viens rire avec moi. Tu sais que je pars à un nouveau festival. Hein? Là, je vais avoir besoin de beaucoup d'employés, des nouveaux talents, du beau monde. Je pense que je vais y aller, moi. Sans tes clés. Hey, sais-tu quoi? J'ai un double à la maison. Attends! Moi, j'ai un homme de pouvoir, moi. Hein? J'ai de l'argent, j'ai de l'influence. Mais voyons, t'es un clown dans un égout. T'as plus rien. De toute façon, j'ai déjà mes billets pour le nouveau Festival du Rire. Non, come on! Ouais, j'ai pété ma ballonne. On a une bonne nouvelle pour Montréal. On a une bonne nouvelle pour les gouvernements. On a une bonne nouvelle pour les femmes. On a une bonne nouvelle pour nos personnes âgées. On a une bonne nouvelle pour les oiseaux. On a une bonne nouvelle pour les amateurs de bonnes nouvelles. On part un deuxième festival d'humour à Montréal. C'est ça. Hein? Vous capotez? Ça fait qu'on a une bonne nouvelle pour les donneurs de subventions. On vous attend! François, on ne dit pas d'alcool. Mais c'est pas pour moi, c'est pour le ministre! Amène le cash ou attends les subventions! Ici Philippe Couillard. Ben oui, Philippe Couillard du Parti libéral. C'est pas parce qu'on pense qu'on a un QI plus élevé que la moyenne qu'on n'aime pas traiter les autres comme si c'était des légumes. Oh, il est à veille d'être mûr pour voter, lui. Hey, va donc chier, toi. Le Parti libéral vous a beaucoup enlevé depuis 3 ans. Hey! Et là, les élections s'en viennent. On va vous en donner. Juste un petit peu. Tiens, le ballonnet, il est en vente. Puis en plus, au Parti libéral, même si tout le monde nous haït... Tiens, mon dit vendu! Vous allez nous réélire pareil. Pendant une année électorale, on a de tout pour tout le monde. Des nananes pour les syndicats. Des bonbons pour les enseignants. Puis des candés pour la classe moyenne. Puis ça marche. Encore 4 ans de Parti libéral. Ben oui, Parti libéral. Les Hells Angels font un retour remarqué au Québec. Moi, ils me dérangent pas. Ils sont polis, ils sont gentils. Ils m'ont même donné un beau toutou pour mes petits enfants. Oh. Les nouvelles commencent maintenant. On s'en va à l'international maintenant où il y a 8 ouragans de catégorie 5 en même temps qui produisent des rafales de plus de 400 km/h. Alors, comment ça se passe à Miami? Pas très bien, Pierre! J'ai peur pour ma vie! Mais au moins, ça fait des vols, c'est bon! Gone with the wind. Et à Cuba, quel est l'état de la situation? Les autorités conseillent à tout le monde de ne pas sortir dehors! Sous aucun! Mais aucun! Prédex! Politique municipale maintenant, on s'en va rejoindre Marie-Ève au quartier général de Projet Montréal, en compagnie de la nouvelle mairesse, Valérie Plante. Je suis avec Valérie Plante qui vient tout juste de gagner ses élections.
Madame Plante, vous avez séduit les Montréalais en leur promettant une nouvelle ligne de métro, la ligne rose. Oui, mais pas juste ça. Il va y avoir 1000 nouveaux autobus roses, un tramway rose, des logements sociaux roses, des pistes cyclables roses, des parcs roses, un deuxième Mont-Royal rose, un fleuve rose. Mais comment vous allez faire pour payer tout ça? On va imprimer de la nouvelle argent rose! On s'en va rejoindre au sport. Renaud Lavoie. Renaud, il y aurait, semble-t-il, du nouveau dans le dossier des Nordiques à Québec. Mes informateurs me confirment que ce matin, Gary Bettman, lors d'un déjeuner avec sa garde rapprochée, eh bien, paraît-il, Pierre, qu'il aurait peut-être insinué, toujours selon mes informateurs, que les chances de la Ville de Québec d'avoir une équipe dans la ligne de celle-là de hockey seraient passées de quasiment nulle à presque nulle. Wow! C'est des bonnes nouvelles, ça! Oh! Nouvelle de dernière minute, TVA aurait trouvé la personne qui a payé son billet pour le Grand Prix de Formule 1. Andréane, présentez-nous cette perle rare. Vous, vous devez aimer ça, les courses de voitures électriques. Vous êtes le seul à avoir payé votre billet. Oh oui, c'est pour ça que mon billet m'a coûté 24 millions. Au moins, vous, ça vous a pas coûté une élection. De retour à vous, Pierre. Et maintenant, une entrevue avec le comédien Gilbert Chicotte, réalisée par un confrère de Radio-Canada qui repousse encore plus loin les limites du journalisme d'enquête. Gilbert Chicotte, avez-vous déjà réprimandé un étudiant en théâtre? Ben oui, c'est sûr. Au point de se sacrer? Peut-être. À voix haute? Ben, c'est un peu ça l'idée. Aviez-vous les sourcils froncés? Ça se peut. Comme ça? Probablement. Monsieur Chicotte, avez-vous déjà trompé votre femme? Pardon? Jean-Paul Bello, les Dames de cœur, hein? C'est un personnage. Joué par? Joué par moi. Bah ha! Qu'est-ce que c'est ça, Corliss? Alors voilà! Vous êtes fâché au point de sacrer! Vous voulez me casser maintenant, M. Chicotte, c'est ça? Tabarnak. Ah! Je suis cassé! On l'a, nous aussi, notre scoop d'abus à Radio-Canada! Ah! Maintenant, un accommodement accordé à une mosquée de Montréal fait jaser Marie-France. Oui, Pierre. Des dirigeants d'une mosquée ont demandé qu'il n'y ait aucune femme sur le chantier de construction d'en face. Oh! On m'annonce à l'instant, Marie-France, qu'aucune demande n'a été faite à la mosquée et aucun accommodement n'a été accordé. Comme on dit, fake news. Rigueur, rigueur, rigueur. Ah? C'est tout pour les nouvelles. Restez à l'antenne dans un instant. Vlog! Tous les citoyens et toutes les citoyennes du Québec sont écœurés par l'usage abusif du masculin dans notre langue. À Québec solidaire, on propose donc de remplacer les mots patrimoine par matrimoine, camion par camionne, et puis papa par maudit représentant sale du patriarcat. Le délire psychotique peut mener à des discours aucunement sensés et aucunement raisonnables. Belle cause pour la cause. Et j'ai la ferme conviction que la peuple québécoise va nous remercier un jour. Une journée. Eh, boboy. Ça s'améliore pas, leur affaire. En septembre dernier, le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, s'est adressé aux représentants de tous les pays du monde à l'ONU. Revoyons ensemble les grands moments de ce discours historique. Chers amis des peuples de partout du monde, c'est vraiment en toute humilité que j'élocutionne ce que j'exprime avec les mots qui vous parviennent et que j'adresse dans votre direction. Toutes les races, des religions, ensemble, vivent dans le monde d'incertitude qui est le nôtre. Sésame, ouvre-toi. Alibaba, les 40 voleurs, peu importe le coin du monde, il faut s'ouvrir le visage et se mettre à l'écoute des paroles. Et tout ça pour une excellente, meilleure amélioration de tout un chacun de tous. À vous, mes frères et mes sœurs des Premières Nations, le Canada veut jouer le rôle dans cette mesure. C'est important de la classe moyenne. Le Canada est un pays nombreux. Tous les genres de sexualité, transsexuels ou non, pardon! Message c'était du Canadien ministre premier, Trudeau Justin. Bonsoir, ici Stéphane Bellavance et bienvenue à Génial, l'émission où je crie un mot sur deux pour faire applaudir les gens. Je vous présente mon co-animateur, Martin Carly,
Martin, mon rockstar à lunettes sexy en cerveau, dès que je te freine, je vois les enfants. Bonsoir! La chimie est palpable entre nous. Il faut raide. Nos chefs d'équipe, Maître Anne-France Goldwater. Les hommes sont tous des monstres et des idiots. Et pour l'affronter, on salue une cause très importante en 2017, la transsexualité. C'est un honneur de l'avoir en studio avec nous, la transgenre, Caroline Néron. Non, je suis pas transgenre, j'ai juste la voix rauque. Je m'en sers pour vendre des bijoux. Allons-y avec notre première question. Stéphane, on pose la question, est-ce plus facile de rentrer dans une Chevrolet 78 abandonnée ou de rentrer au Canada? Maître Goldwater! Mais pourquoi les deux animateurs sont mal? Cette émission est une insulte pour la femme. Changez de poste! Changez de poste! Caroline Néron? Mes bijoux s'agencent très bien quand on les accroche à des rétroviseurs de Chevrolet 78. Martin, allons-y avec la réponse. À l'aide d'une barre à clous, on peut accéder facilement au système de verrouillage de la Chevrolet 78 et ainsi prendre place à bord du véhicule. Mais c'est tout de même moins rapide qu'entrer au Canada où il n'y a simplement aucune frontière. Mais pourquoi c'est un homme qui joue les deux vidéos? Qu'est-ce que c'est que ça? Question numéro 2. Qu'est-ce qui prend moins de temps? Insérer son index dans sa fosse nasale ou s'insérer au Canada? Je te l'achète, ton index. Je mets 80% de ton financement puis je m'occupe du marketing. Je suis super bonne là-dedans. Maître Goldwater! J'ai pas eu le temps de regarder. Je coupais des carottes. Ça, c'est un symbole phallique, monsieur. T'as compris ça, right? Maintenant, Martin, quel est le résultat de cette expérience? On voit bien mon doigt s'insérer profondément dans ma fosse nasale, mais c'est tout de même l'insertion au Canada qui s'avère la plus rapide. On a maintenant le temps pour la dernière question. Est-ce plus facile de pénétrer dans le Canada ou dans les filles de Barmaid? Vous devez être vexé, Maître Goldwater. Non, celle-là, je suis curieuse de savoir la réponse. Malheureusement, c'est tout le temps qu'on a. Merci à nos invités. Oubliez pas mes bijoux. On se quitte avec un extrait de l'émission de la semaine prochaine où on se demande est-il plus facile d'entrer au Canada ou aux États-Unis? Bonne semaine! Allez, fais le plein, mon guide, hein? Correct. Yeah! 10 piastres, ben flush! Ben voyons donc, toi! Allô? Wow! En plus, on vient de gagner les billets pour la Coupe Stanley à soir au Forum. Ben voyons donc, toi! Penses-tu qu'on va la gagner? Certain! On est bien meilleurs que les Kings de Los Angeles! Hey, on devrait peut-être gager un petit 2. Bonne idée! Un bel été 93, ça commence toujours avec une Coupe Stanley. Mais avec l'équipe qu'on a, des Coupes Stanley, on risque d'en gagner pas mal dans les prochaines années. Je vais mettre un petit deux sur la Coupe à Montréal. Moi aussi. J'aime comme un fou. La dernière Coupe Stanley à Montréal. Déjà 25 ans. Quand je me déplace, j'ai besoin de beaucoup de sécurité et d'un grand entourage parce que je suis très importante. D'ailleurs, il était important de rénover mon appartement de Paris en dépensant 500 000 $ provenant de l'argent des contribuables pour la personne importante que je suis. Je mérite aussi ma pension à vie de gouverneur général, un des postes les plus importants et les plus utiles pour la population canadienne et québécoise. La mégalomanie est caractérisée par une surestimation de soi et une incontrôlable folie des grandeurs. Belle cause pour la cause. La meute. Bon, là, ça marche-tu, là? Ouais, on est dans les zones. Bye bye, le bye bye. Hey! Bon, si on a pris les zones à soir, c'est pour vous souhaiter une bonne et heureuse année à tous les vrais Québécois. Mais surtout, vous ameutez des dangers qui nous guettent. Pour protéger notre culture! Excusez, je pensais qu'on haïssait ça, nous autres, la culture. Oui, on haït ça. Mais à cette heure que ça nous donne un argument pour plus juste avoir l'air des racistes, on aime ça. D'ailleurs, on n'est pas des racistes ni des xénophones. Que les Italiens, on les aime. Les Asiatiques, on les aime. Les Allemands, on les aime. Hein? Les Latinos moyens, les Noirs pas tant. Puis les Haïtiens qui franchissent nos frontières. Ils ont pas l'affaire ici! Non, tout ce qu'on dit, c'est qu'avant de dépenser pour eux autres, on va dépenser pour nos pauvres, nous autres. Excusez, là, je pensais qu'on haïssait ça, nous autres, les maudits BS. Oui, on haït ça. Mais à ce temps que ça nous donne un argument pour plus juste avoir l'air des racistes, on les aime.
D'ailleurs, l'autre affaire, les étrangers, ils volent tous nos jobs. Ça, c'est vrai, moi, j'ai appliqué pour un poste de chirurgien, pis c'est une bananienne avec un foulard qui l'a eu. Pas chirurgien, toi? Non, j'ai un DEP en chariot élévateur. Moi, c'est une question de principe! Un des problèmes avec les musulmans, c'est qu'ils veulent des cimetières de musulmans. Hé, pourquoi y a rien que les musulmans qui veulent des cimetières de musulmans? Ouais! On en a-tu, nous autres, des cimetières de musulmans? Non! Ben c'est ça! Pas de cimetière musulman pour personne! Égalité! Égalité, mauditement! Alors c'est tout! Et oubliez pas qu'ensemble, on est plus fort, parce que nous sommes la meute! Vous sommes la meute! Nous êtes la meute! La meute. Bonjour, hi. Cette année, vous avez décidé de me dire bye-bye, et j'accepte ce verdict avec toute la modestie qui a caractérisé mon mandat de maître de... maire de Montréal. Je sais que malgré tout, les Montréalais sont fiers de leur ville. Je le sais parce que j'écoutais toutes les conversations cellulaires. Et cette fierté est due en grande partie aux festivités du 375e. Oui, je sais que 40 millions pour illuminer le pont Jacques-Cartier, il y en a qui ont trouvé ça cher, mais faut voir le positif. Le monde va avoir de la lumière pour lire dans le char quand il va être pogné dans le trafic à tous les soirs. Montréal, c'est peut-être pas New York, c'est peut-être pas Paris, mais au moins c'est pas Ottawa. Montréal, je te quitte, la tête haute et la bédaine basse. Et c'est le cœur gros pour toi que je te dis bye-bye. Hein? Les clés de la mairie, on va garder ça, ça peut toujours servir. Bon, 2017 a été une année... comment on dirait ça? Chaotique, pas toujours facile à suivre. Oh, c'est pas pire, ça. Moi, 2017, je dirais que t'as été une année nécessaire. Moi aussi, je dirais ça. Non? Hey, mais là, 2018 arrive. On fait quoi? Ouais. On y va! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1! À toi? À toi? Ben oui! C'est nous autres! Bonne année! Papa, tu m'as toujours dit, petit clown, un jour tu seras bye-bye. Voilà. Bonne année à tous les Québécois et les francophones hors Québec! Sur l'île de Vancouver, on vous souhaite... Bonne année! Ça va? Bonne année! Bonne année du Vermont! On est infirmière, on travaille à l'Hôtel-Dieu de Lévis ce soir, le 31 décembre. Puis on vous souhaite une bonne année. Du Bloc opératoire du CHUL de Québec, nous vous souhaitons tous une année remplie de bonheur, de paix et bonne année! Au nom de toute l'équipe de Dr. Clown, nous vous souhaitons... bonne année! Bonne année! À tous les enfants du monde! Les parents, allez vous coucher! Il est assez tard! Demain, on se lève tôt! La troupe aventurière BIEC vous souhaite un joyeux temps des fêtes et une bonne année. À nos collègues, à nos amis, bonne année! Bonne année! Bonne année 2018 à mes élèves de l'école secondaire Louis-Philippe Paris. Je vous aime, je m'ennuie de vous et vous avez un travail à me remettre, hein, le 8 janvier. Pas de raison que ça se fasse pas parce que ça passe à la TV. Bonne année, Élisée Plus. Bye bye. On est des amis du primaire, du secondaire, du cégep, de l'université. Nous autres, on lève la voix à l'amitié. Bonne année à ma famille et mes amis! Bonne année tout le monde! Vous aime! Non, non! Bonne année à tous ceux qu'on aime! On aime-tu beaucoup? Pas pire! Soyons heureux! J'aimerais souhaiter une bonne année à toute ma famille et au Québec en entier. Je vous aime! Métro, Coca-Cola et Plaisir Gastronomique, fiers partenaires du Bye Bye, vous souhaitent une bonne et heureuse année! Les coulisses de Trois fois ta gueule. On commence le tournage, mon amour?
Oui, mon chéri. Excuse-moi. Qu'est-ce que tu fais là? Bien, on a une grosse commandite d'avocats. Faut les voir, chaton. Ah, mais là, je peux pas juste plugger qu'ils sont en spécial cette semaine, mon cœur. Aujourd'hui est une journée extraordinaire, car l'avocat est en spécial au supermarché. Coupé. Je peux pas dire ça puis pas faire de recette avec. Il faudrait qu'on les voit, les avocats. Non, mais c'est pas subtil, ton gros bol, là. Pensons-y deux minutes. Faudrait réinventer l'avocat. Là, on est en retard. On n'a pas le temps de réinventer un fruit. Aujourd'hui, on réinvente un fruit. On boit un latte dans un avocat. Oh, excuse, ça se boit un peu mal. Mets les avocats dans un bol. Aujourd'hui... Coupé! T'as oublié ta tuque. Aujourd'hui... Coupé! Parce que j'ai vraiment des grosses lèvres. Mets des tacs d'avocat dans un de bol. Alex, c'est pas parce que t'es chauve que tu dois faire subir ta frustration à tout le monde. Sois donc plus fine avec le gars qui filme ta grosse face de baboune. Quoi? T'as une face de baboune! Ah ouais, mais tu sais quoi? Je peux demander au perchiste de filmer à ta place. Lui, il en a des cheveux. Puis il a de l'air d'avoir une grosse perche en plus. Ah ouais? Moi, te filmer, moi. Ah ouais, t'es bien followé. La grosse face de baboune de madame. T'es les followers, t'es les followers. Arrête, Alex! Mange de l'hostie de marde bio sans gluten! Ben, c'est-tu quoi? Moi, j'aime ça, le gluten! Pis j'aime ça, la poutine! Pis j'étais curé de vivre dans une hostie de chèque, de hippie, de cuisine, de porteur de sacs de patates, que j'suis obligé de manger du kale à chaque matin pour déjeuner! Un chèque du cul à cause de ton hostie de kale! Ben, moi, c'est toi que j'en ai plein le cul! Je voulais juste mettre les tacs d'avocats dans un tacs de bol! Ouais, t'aimes ça les avocats, Alex? Ben t'es mieux d'en engager des bons! Parce que je divorce! Non, moi je divorce! Ta gueule! Ta gueule! Ta gueule! C'était les coulisses de Trois fois ta gueule. Montréal, 1976. Tous les yeux sont tournés vers le splendide stade olympique pour y voir les plus grands athlètes de la planète participer aux 21e Jeux olympiques. Montréal 2017. La métropole reçoit une vague de réfugiés au stade olympique, donnant lieu au tout premier Migrant Games de l'histoire. Bonjour Simone. Bonjour Michel. C'est déjà la troisième journée des Migrant Games. Plus tôt aujourd'hui, la Syrienne Rima Al-Azem a obtenu sa citoyenneté canadienne lors de l'épreuve du 100 mètres douanier. Dernière compétition pour aujourd'hui, une des plus attendues des Migrant Games. Oui, le lancer du préjugé. Mohamed Bokori se concentre. Quelle détermination. Il s'empare du préjugé. Le gouvernement va tout leur donner des chars. C'est tout des terroristes. Il entame sa rotation. Quelle force. On va voler tous les jobs de nos itinérants. Ils viennent pas d'ici. Ils sont pas comme nous autres. Et c'est le lancer. Protégeons nos valeurs à nous autres. Impeccable. Ils veulent brainwasher nos enfants et nos femmes. On mesure. Ils mangent pas la même affaire que nous autres. Il parle, on comprend pas. Ça semble bon pour la distance. Nouveau record! Oui! Et ça a été fait avec un préjugé d'une lourdeur remarquable. Revenez-nous demain pour la suite de ces premiers Migrant Games où nous aurons droit aux compétitions de course à la francisation. Alors au revoir et à demain tout le monde. Chassons avec Luc Lavoie. Bonjour, ici Luc Lavoie. Bienvenue à Chassons avec Luc Lavoie. Aujourd'hui, je vous donne tous mes trucs d'expert pour savoir comment bien chasser le séparatiste. Premièrement, le camouflage. Pour chasser le séparatiste, il est essentiel de se camoufler le visuel et l'olfactif. Il vous faut un camouflage de type péquiste pressé, que certains appellent aussi fatigant du Christ en ceinture fléchée qui fête la Saint-Jean à l'année. Pour le camouflage olfactif, certains utilisent du patchouli ou encore un extrait de tour de bras de prof de cégep. Mais personnellement, j'aime bien utiliser de la bonne vieille urine de séparatiste. Et pour une qualité optimale, j'aime toujours la récolter moi-même. Ben voyons, qu'est-ce que vous faites là, vous? Je l'ai! Pour que le séparatiste sorte de son trou, il faut savoir bien le coller. Et pour ça, il existe deux techniques. La première, c'est simple, c'est comme le col de l'orignal, mais avec une finale un peu différente. Sinon, on peut utiliser un sifflet qui imite la sonnerie de cellulaire du séparatiste. C'est à s'y méprendre.
T'as entendu? C'est Gilles Vigneault. Ah, oh, je l'aime, Gilles Vigneault. Je les ai poignés. Revenez-nous la semaine prochaine alors que je vais vous montrer comment bien contrôler un troupeau de séparatistes catalans, une autre espèce très nuisible. C'était Chassons avec Luc Lavoie, avec Luc Lavoie. Bonsoir, ici Chantal Baccabé en remplacement de Stéphane Langsalle. Bienvenue dans votre chambre froide. Tout d'abord, un ancien joueur de hockey de grand talent, Mario Tremblay. Monsieur Chantal. Un ancien joueur de hockey tout court, Gilbert Delorme. Salut Chantal. Le toujours souriant et très naturel, Guy Carbonneau. Bonsoir, Guy. Et celui qui est toujours là parce qu'il faut bien remplir notre quatrième fauteuil, Gaston Therrien. Merci, Stéphane. Alors, ce soir, on va faire le bilan sportif de toute l'année 2017. Mario, on commence avec ta manchette. Alors moi, ma manchette, c'est « Je lui lève mon chapeau ». Tu parles évidemment de Denis Shapovalov, la nouvelle star du tennis canadien qui a fait écarquiller bien des yeux cette année. C'est pas ça du tout, Chantal. Moi, je te parle de Marc Bergevin. Lui aussi, il a éparpillé nos yeux avec son coup de main de maître quand il est allé chercher le petit Jonathan Drouin. Oh. Ce petit gars-là, là, je sais pas si vous allez être d'accord avec moi, les c'est gars, sûr, là-dessus. C'est sûr! Ce petit gars-là, là, le petit Drouin, là, ça, c'est un petit gars bien de chez nous qui va compter ses buts en français, qui va faire ses passes en français, puis qui va faire ses commotions cérébrales en français. Yes! Yes! C'est pour ça que je lui lève mon chapeau, Chantal. Mais pourquoi t'as écrit « chapeau » comme ça, d'abord? Je sais pas de quoi tu parles, Chantal. Toi, Gilbert, ta manchette. Ouais, c'est très fatal. C'est l'impact d'une alouette. Tu fais évidemment référence aux saisons désastreuses des alouettes et de l'impact en 2017. Pas du tout, Chantal. Je pense que durant un entraînement, il y a une alouette qui s'était foirée dans le windshield du pick-up à Carey Price. Puis là, ça a tellement fait une grosse impact sur sa jambe quand il a freiné que ça a scrappé son début de saison. D'accord avec Mario. Guy, ta manchette. Est-ce que tu peux sourire un peu au moins? Mais c'est pas facile pour lui. Hein? Moi, je suis d'accord avec Carbo. Gaston, ta manchette. Exactement, Pierre. Moi, c'est... Ils ont mis un genou par terre. Bon! Enfin, il y en a un qui parle des joueurs de football qui ont mis un genou par terre durant l'hymne national américain. Absolument pas, Bergie. Je parle de Radulov puis Markov. Il mettait toujours un genou à terre quand il attachait le patin. Ah, ben oui. Hein, puis ces gars-là, Bergevin, il les a laissés partir sans les remplacer. Puis depuis que Bergevin est arrivé, il nous a coûté au moins une coupe cette année à Montréal. Peut-être deux, peut-être trois, peut-être quatre, peut-être sept, peut-être 13. Mais ça fait pas 13 ans qu'il est ici. C'est pas grave, Bergie. Quelque chose à ajouter, Guy? Il est de bonne humeur aujourd'hui. Heureusement, c'est tout le temps qu'on a. Avant de vous quitter, voici un extrait de notre émission de demain avec Georges Saint-Pierre suite à son retour triomphal dans l'octogone. Georges, on est très content de t'avoir. Comment a été ton combat? Quel combat? Ton combat de la semaine passée. Quelle semaine passée? Dirigeant chez Bombardier, gagnant à vie.